pilote et copilote, bienvenue aujourd'hui dans notre épisode 2 de Platinum Motors TV. Aujourd'hui dans notre épisode, on va vous montrer la Mustang Fastback de Romain. Du début de la préparation jusqu'à la fin, on va faire du cruising un petit peu avec, dans des spots un petit peu sympas. Mais aussi aujourd'hui, la Mini de Steve. On l'a suivi dans le premier épisode, 300 chevaux, 600 kg. Et cette fois, il s'est vraiment énervé parce qu'il lui a 450 chevaux sur la voiture. Donc là, poussez-vous devant, ça va faire mal. Alors surtout, abonnez-vous, le petit pouce et regardez ce qui va se passer en bonus. Allez, jusqu'à la fin de l'épisode. À toutes. Merci Romain de nous présenter ton projet de Mustang. Alors, pourquoi la Mustang? Voilà. Moi, je suis fan de cette voiture depuis que j'ai vu le film 60 secondes chrono. Et dès que j'ai pu, j'ai acheté un 64 coupé. Ouais, que j'avais vendu, j'ai acheté un 67 Fastback d'origine, je l'avais fait gris. Sympa. Mais je l'avais laissé entièrement d'origine et niveau conduite sportive, c'était un peu limite. Du coup, après je suis passé sur une AC Cobra. Ah ouais. Avec gros moteur, c'était très sportif, mais il me manquait la 67 Fastback, elle me manquait. Et donc j'ai voulu retourner sur un 67 Fastback, mais avec quelque chose de très sportif. Ouais. Avec un châssis qui a été primé au SEMA il y a quelques années. Avec un moteur du 2016. D'accord. C'est 435 chevaux, injection, qui sera fiable, qui démarrera tous les jours. Ouais, bien sûr. Et tu vas le booster un peu ou tu vas le laisser comme ça? Pour l'instant, il va rester à 435, 450. C'est déjà énorme. Et après, il y a les compresseurs qui peuvent arriver pour monter à 700. Wow. La caisse peut résister jusqu'à 1000, donc on a de la marge. Ouais, ouais. Et donc, alors, la caisse, c'est une caisse de quelle année? 67. Qu'on D'accord. a entièrement découpé, tout l'avant est sur mesure, tous les planchers sont sur mesure. Ouais. Et là, on va attaquer le travail carrosserie pour la faire ressembler à Eleonore, un peu plus large. Les modifs faits ce soir. On va prendre tous les jours, sont nickel. Après l'autre côté. Nickel. Je vais couper l'aile arrière, réduire les jours en haut, et à partir de là, remettre celle-là de ligne un peu plus de niveau, celle-là, celle du bas qui était complètement décalée, tout a été repris. Hey yo, what's real? You're walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? Ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Les États-Unis. Voilà, moi j'ai trouvé la caisse d'un côté, le châssis de l'autre, le moteur, tout a été trouvé à peu près en même temps. J'ai tout fait livrer à un garage aux États-Unis, ouais, qui m'a rempli un container avec toutes les pièces parce que la caisse elle est arrivée nue. D'accord. Donc, tout a été commandé neuf et tout est arrivé. Et là il y a pas mal de travail qui est. Le cul aussi a été coupé pour mettre le kit carrosserie de. Le cul a été changé pour avoir le kit carrosserie Shelby Eleonore. D'accord. Toute la partie arrière sera moulée et pas juste glissée. Ouais. Tout a été découpé. Et là on va s'appeler la main. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que tu comptes faire? L'intérieur c'est siège baquet Recaro. Ouais. J'ai des compteurs Dakota Digital qui ont été faits sur mesure pour rentrer dans le facing de 67, mais avec toutes les infos moteurs du 2017. D'accord. Le levier de vitesse et la boîte, c'est la boîte d'origine de 2016. Ouais. Donc j'ai gardé le levier pour l'instant. Et après, pédalier, c'est 2017. Et j'ai deux faisceaux électriques, un faisceau pour le moteur, un faisceau pour la voiture et tout est neuf. Ouais, en fait c'est dans le look ce qu'on dit néo-rétro aussi, pareil un peu voilà. Comme le frein, j'ai vu aussi qu'il y avait des petites histoires avec le frein, on m'a dit le frein ça sert à rien. Voilà, le frein c'est pour les PD, ouais, on a pas besoin.
Steve? Ça va? Et toi? Impeccable. Bien? Ouais. Bon alors, dis-nous, aujourd'hui, on a vu l'épisode 2 sur la Mustang Fastback. Tu nous expliques un peu ce que t'as fait, t'as participé sur cette voiture? Donc moi, je me suis occupé de faire, toute la carrosserie. Toute la carrosserie, l'assemblage de kit. Tous les éléments qui étaient neufs, comme les portes, les ailes avant et tout ça, ben, les ajuster, les faire tout ce qui est montage et tout ça pour que ben, elle ressemble à quelque chose au final, quoi. Elle est superbe en tout cas. Romain et toi, ce que vous avez fait, c'est juste magnifique. Petit aparté comme ça, Romain a mis sa voiture en vente. Je le dis comme ça à titre informatif, si ça intéresse quelqu'un, contactez-le sur son Instagram. Je sais aussi que tu as fait tout ce qui était carbone intérieur. C'est ça, donc toutes les pièces. C'était du covering, c'était du. Alors, non, pas du tout. Alors, les panneaux de porte, c'est fait entièrement d'une nouvelle pièce. Et après, toutes les parties, c'est plus à l'arrière. En fait, toute la partie arrière et tout ça, c'est du plaquage. En fait, d'accord. On part sur la pièce brute. On fait une finition correcte et après dessus on vient appliquer une feuille de carbone, vraiment une vraie feuille de carbone. Et on refait la finition et vernis comme si ça sortait d'un moule en fait. Voilà, super, merci beaucoup. En tout cas maintenant tu vas nous parler de nouveau de ta Mini. Steve, 300 chevaux, 600 et quelques kilos, c'est ça à peu c'est près ça, 680 kilos. Ouais. Bon, presque 700 kilos on va dire. Ouais. 300 chevaux, maintenant on est passé à combien? Maintenant on est à 450 de plus. Ouais. Attends, déjà, tu disais la dernière fois, cette voiture, c'est une tueuse de supercar. C'est ça, ouais. Maintenant, comment on peut l'identifier, cette voiture à coup? Fusée Ariane. Ouais. Ouais, d'accord. Mais, okay. Ouais, donc, une boule de nerf. Qu'est-ce que t'as fait sur cette voiture, du coup? Alors, je sais pas si tu te souviens, donc quand tu étais avec moi, la roue a failli se barrer, en fait, lors de l'essai, voilà, ouais. Celle-là. Donc, depuis, en fait, j'ai reconstruit entièrement le train avant. Nouveau triangle tubulaire sur mesure. J'en ai profité parce que les suspensions ne correspondaient pas. Donc, nouvel amortisseur, on a viré les vieux combinés filetés, on a mis du 3 voies Ohlins pour avoir vraiment une tenue de route au top, quoi. Donc cette fois, ça cassera pas? Là, ça pourra plus bouger, non, c'est clair. Ah oui, là, sans problème. Essayer. Ouais, ça, t'inquiète pas, on verra. Ok, la boîte de vitesse? Boîte de vitesse, donc pour tenir la puissance, donc 5 roues renforcées, on a un couple long, autobloquant à disque. Ouais. Après, le moteur, il reste plus grand-chose du moteur d'origine, en fait, il reste plus que le carter. Déjà, à la base, tu avais déjà fait une prépa sur le moteur, parce que ça fait quoi déjà à la base un moteur massif? On est dans les 200 chevaux, à peu près, donc le moteur était stock, ouais. Il n'y avait qu'un compresseur qu'il y avait en plus. D'accord. Là, maintenant, en fait, il reste, comme j'ai dit, plus que les carters, en fait, tous les blocs sont réalisés, on a mis des chemises renforcées, biais de piston forgé, vilebrequin de S2000, toute la partie au moteur, donc soupape, arbre à cam et tout ça, tout est changé, tout est sur mesure, tout est en mode racing. Subtilité, j'ai vu que maintenant ici, en bas, les petits logos, ouais. Les petits logos. Là, c'est parti. C'était pas prévu au début, mais en fait, j'ai fait une journée de circuit, j'avais perdu un centre de roue. Deuxième journée de circuit, c'était en plein mois d'août. Entre les freinages, l'adhérence et tout ça, en fait, ça a tellement chauffé au niveau des roues que les centres de roue d'origine étaient en plastique chromé, ils ont fondu et ils sont barrés, en fait. Donc, quitte à refaire quelque chose, j'ai fait en aluminium, taillé masse et la petite finition avec mon petit logo dessus, je crois que ça aille bien. Génial. T'as les clés? Ouais, elles sont dessus déjà. On va faire un tour? Allez. Allez, c'est parti, je te suis. On y va. J'espère que cet épisode vous aura plu. Malheureusement, on a été obligé de terminer assez rapidement parce que notre ami Steve a dû partir s'installer aux États-Unis. Donc, la Mini, on a fait ça assez vite sur la fin. Prochain épisode, épisode 3. Donc, ce sera rendez-vous avec Axel François et il va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le drift et tout ce qu'il fait aussi sur le drift.
Si toi aussi t'as un projet de ouf à nous présenter, surtout contacte-moi et comme ça on pourra essayer de mettre ça en avant et faire une super vidéo. Allez, un pouce en l'air, un petit commentaire et on se voit bientôt. Salut !